entreprises normandes ont de plus en plus recours au travail détaché, dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment tout particulièrement. Il serait 5000 salariés concernés depuis le début de cette année en Seine-Maritime. La préfecture multiplie les contrôles et pour elle, il y a nécessité à harmoniser les lois européennes avec la réglementation française du travail. Explication, Myriam Libert avec Hervé Colosio. Un contrôle de l'inspection du travail commence souvent derrière un écran d'ordinateur. En Seine-Maritime, 42 agents étudient scrupuleusement les déclarations des entreprises étrangères qui s'apprêtent à employer dans notre département des travailleurs détachés. Des entreprises portugaises, allemandes ou belges qui viennent exécuter une tâche spécifique pendant une durée limitée. Si les Européens ont le droit de circuler librement, les entreprises ont l'obligation de respecter la réglementation du pays dans lequel ils emploient leurs salariés. On va s'interroger sur le pourquoi de recourir à une entreprise étrangère, sachant qu'un salarié détaché ne coûte pas moins cher qu'un salarié local si tout est bien payé. Donc il nous appartient de vérifier que les salaires minimum conventionnels ou le SMIC français soient respectés. Car certains contreviennent à ces obligations et la tentation est grande de payer les travailleurs moins cher ou de les loger dans de mauvaises conditions. Il s'agit là d'une fraude caractérisée, mais aussi d'une concurrence déloyale pour les entreprises locales. En 2017, en Seine-Maritime, on a compté 7000 travailleurs détachés, un chiffre qui sera encore supérieur en 2018. Ce sont principalement des travailleurs de l'industrie et du BTP qui exercent des métiers en tension sur nos territoires. Sur ce chantier de la métropole, c'est une entreprise de peinture portugaise qui est à l'œuvre. On est bien sur une opération de grenaillage et de sablage. Nous avons des entreprises localement qui savent le faire. On n'est pas nécessairement sur des métiers dits en tension. Alors après, y a-t-il suffisamment d'entreprises ou étaient-elles disponibles pour intervenir sur cette période? Je ne le sais pas. Et c'est peut-être la négative qui a fait que le donneur d'ordre a choisi de recourir à une entreprise portugaise. En Seine-Maritime, cette année, la fraude aux travailleurs détachés concerne moins de 3% des contrôles. À noter aussi que les entreprises françaises font partie de celles qui détachent le plus de travailleurs à l'étranger.